Benoît, match très important, victoire au bout, les 3 points, j'imagine que c'est une grosse satisfaction ce soir. Ouais, complètement, ouais. Grosse, grosse satisfaction parce que ce match, on savait combien il était important. Et voilà, il y a un match très intensif, voilà, on voit la fin de match avec beaucoup d'intensité, tout ça. Donc, ouais, c'est d'autant plus satisfaisant de gagner ce genre de match. Vous avez été beaucoup bougé, notamment en première période. J'imagine que vous attendiez malgré tout à cette grosse opposition ce soir. Ouais, on s'y attendait, voilà, c'est une grosse écurie de la poule. Voilà, au match aller, on avait été solide pareil, et on s'était fait punir sur une fin de match où on était réduit à 10. Donc on avait à cœur de ne pas reproduire la même erreur, d'être solide dans un premier temps. Et voilà, on savait qu'on allait avoir des coups à jouer, et ça nous a souri ce soir, donc c'est top. 4e match sans défaite consécutive, 3 victoires en 4 matchs. Ça commence à être une belle série. Vous conservez la 2e place. J'imagine que c'est que du positif ce soir. Ouais, c'est ça, c'est que du positif. De toute façon, quand on gagne, ça peut pas être négatif, hein. Donc voilà, on joue les matchs les uns derrière les autres. Voilà, on calcule pas, on fait ce qu'on a à faire sur chaque match, et puis on fera les calculs à la fin. Là, on n'est pas dans un état d'esprit de calcul, on joue les matchs les uns après les autres, et au maximum, et on fait tout pour tous les remporter, bien sûr. Avec un petit but du coup aussi pour la victoire, Ouais, j'imagine bah, que. ouais, c'est toujours un plus de marquer et de faire gagner l'équipe, donc je suis content. David, démonstration de joie rarement vue depuis le début de la saison à la fin de ce match. J'imagine que ça montre l'importance de cette victoire. Ouais, on jouait un adversaire de grande qualité. Encore une fois, Camille. De gros moyens pour être l'année prochaine en national. Donc on avait à cœur aussi de battre une équipe de haut de tableau, ce qui ne nous était pas arrivé sur la période des matchs aller. Donc on a mis beaucoup d'envie, beaucoup de générosité, beaucoup de don de soi, ce qui a permis de prendre ces 3 points. C'est la raison pour laquelle tout le monde était effectivement content du score final. Il y avait beaucoup de tensions, toutes les occasions étaient très très importantes, le but a bien sûr été décisif. On sent qu'on est en train de rentrer dans une partie du championnat où les matchs vont compter vraiment de plus en plus. Ouais, chaque match a un scénario différent, mais chaque match est important. Quel que soit l'adversaire qu'on rencontre, c'est difficile. Il faut vraiment mettre beaucoup d'énergie pour prendre des points. Et effectivement, comme tu le dis, chaque point à la finale va compter. Donc voilà, c'est 3 en plus, nous, qu'on met dans notre escarcelle. On continue de faire tourner le compteur. On espère arriver le plus vite possible aux 38-40 qui nous donneront l'oxygène nécessaire pour pouvoir continuer et pour pouvoir aller chercher un maximum de points dans ce championnat. Sachant que le calendrier qui s'avance, on a des grosses réceptions qui vont arriver. Vous avez fait notamment des matchs où il y avait eu un match nul à l'extérieur et vous recevez maintenant l'équipe comme le Canet éventuellement ou d'autres équipes. Ça va être des matchs qui vont compter dans cette fin de saison ouais, pour le haut du classement. On va recevoir tout type d'adversaires. Nous, on ne peut pas se permettre d'étalonner l'adversaire par rapport à un classement ou par rapport à une subjectivité. Il faut qu'on soit plein gaz tous les matchs. J'ai dit aux joueurs, il faut qu'on joue chaque match comme si c'était le dernier, quel que soit l'adversaire qu'on a en face de nous, parce que la poule est difficile. Toutes les équipes qu'on a rencontrées sur la phase aller ont été dures à manœuvrer. On a gagné quelques matchs, on en a perdu quelques autres. Mais il ne faut surtout pas sélectionner et puis mettre moins d'envie quand on rencontre des équipes qui sont un peu moins bien classées, parce que le classement aujourd'hui, il est pas définitif. Donc on a vu des équipes comme Bourges, par exemple, qui étaient moins bien classées, ils sont en train de bien revenir, Béziers aussi. Donc chaque match va être important, chaque point va être important, et il faut qu'on accorde la même importance à toutes les équipes qu'on va jouer, notamment la semaine prochaine. On va à Angers contre une équipe qui a de grosses qualités, ça va jouer sur synthétique, donc voilà, il faut qu'on se prépare bien et puis qu'on mette autant d'énergie que ce qu'on a pu voir ce soir, parce que si on ne le fait pas, on va passer au travers et on va avoir des regrets. Donc, bossons bien cette semaine de façon à ce qu'on soit prêt samedi et qu'on donne tout et qu'on parte d'Angers sans regret.